Ouais. Alors, Benjamin, il fait maintenant nuit. Je vais clore ce débat et nous allons nous quitter. Mes chers amis, vous avez écouté les intervenants. Tout le monde a parlé, tout le monde a une histoire. C'est ce qui est très intéressant quand on organise les débats. Il faut donner la parole à tout un chacun de s'exprimer. Parce que tout un chacun a une histoire. Une histoire qui est liée à la Guinée. Une histoire qui s'est passée en Guinée. Tout un chacun, c'est-à-dire tout Guinéen, a une histoire. Qu'elle soit une histoire positive ou une histoire négative. Nous avons tous une histoire. Des gens ont vécu des réalités incompréhensibles, des réalités inacceptables, des réalités frustrantes, des réalités qu'on ne peut entendre qu'en Guinée. Vous savez, pour être sincère et honnête envers vous, je vous jure sur l'honneur, mes chers frères, cette histoire que je viens d'apprendre, jamais, jamais suis né en Guinée, grandi en Guinée, étudié en Guinée avant de sortir. Ok? Cette histoire que je viens d'apprendre, ça fait deux personnes qui disent la même chose. Je n'avais pris connaissance de cela. J'ai pas été victime de cela. Mais, pour tout ce qui concerne la Guinée, quand on vous dit quelque chose, ne dites pas que c'est faux. Ça peut se passer. C'est des gens qui sont sincères. C'est des gens qui disent la vérité. Ils n'inventent absolument rien. Ils l'ont vécu. Je peux comprendre qu'ici en Europe, que les gens changent de nom. Mais qu'en Guinée, qu'on change de patronyme simplement pour intégrer une fonction, pour pratiquer un métier, je me dis c'est inconcevable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cela ne date pas d'aujourd'hui. Alors écoutez maintenant. Quand je dis que est-ce que c'est la gueule, c'est la tête de CDD que les gens de l'autre côté n'aiment pas? Ou bien c'est tout simplement, ils veulent pas voir un peu diriger la République de Guinée? C'est une réflexion que j'ai faite. Et cette réflexion, je pense que ça va nous pousser, ça va nous amener à comprendre beaucoup de choses en Guinée. Si vous réfléchissez très bien. Vous allez comprendre le fond des choses. Si vous réfléchissez bien, vous-même, vous allez trouver la solution. Vous-même, vous allez trouver le véritable problème guinéen. C'est pourquoi, quand je vois certaines personnes parler de réconciliation nationale en Guinée, je me dis, vous fatiguez. Quand je vois certaines parler de composition de gouvernement de large consensus, je me dis, vous fatiguez. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de très très important. C'est-à-dire que toute nation dans ce monde-là, toute nation, toutes les nations du monde sont passées par des phases, sont passées par des souffrances, sont passées par des guerres, sont passées par des bains de sang, avant d'être aujourd'hui des véritables nations. Mais ces nations-là, à un moment donné, se sont assises et ont fait un point. Ils ont tiré trait, ok, sur leur passé. Et ils ont accepté de construire leur nation malgré leur divergence, malgré la multiplicité ethnique dans ces nations. Quand vous prenez la France, vous prenez les États-Unis, vous prenez les grandes nations du monde entier. La France, il y avait des ethnies ici en France. Aux États-Unis, il y avait des multiples ethnies aux États-Unis. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis tout ça de côté. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont accepté de voir l'avenir. Ils ont accepté de travailler ensemble. Ils ont accepté de respecter les lois. Ils ont accepté de créer de l'emploi. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, le problème guinéen, nous avons raté le départ. Et il faut revenir au point de départ. Et quand on revient une fois au point de départ, nous devons bien faire, c'est-à-dire, nous devons très bien construire ce point de départ. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard pour que les choses changent en Guinée. Il faut qu'on revienne au point de départ. Ce point de départ, et ce départ doit être un départ imminent. Le point de départ, c'est quoi? Quand je dis le point de départ, c'est quoi? La première chose d'abord du point de départ, c'est que tous les Guinéens, les 24 ethnies de la République de Guinée, doivent comprendre que la Guinée appartient à toutes ces 24 ethnies. Ça, c'est le point de départ. Que cela soit intégré dans la tête de tous les Guinéens. Mais que c'est lui qui doit mener ce plus grand travail, doit faire en sorte que ces 24 ethnies sachent que ce n'est pas eux qui ont construit la Guinée, ce n'est pas eux qui ont tracé les limites de la Guinée. Les limites de la Guinée ont été tracées par les colons. Ils ont décidé que la Guinée soit appelée Guinée. Ils ont décidé que la Guinée soit une Guinée, la Guinée soit une république. Cependant, ok, tous les enfants qui sont, c'est-à-dire qui sont restés sur ce territoire-là et qui ont composé ce peuple-là, ils sont tous fils d'une même nation. Cette nation s'appelle la Guinée. Il n'y a pas celui qui est venu il y a longtemps. Il n'y a pas celui qui a fondé, il n'y a pas celui qui est venu hier, il n'y a pas celui qui est né hier. Vous êtes tous les fils d'une seule nation. Ça, c'est le point de départ. Le premier point de départ. Nous devons comprendre en Guinée que la Guinée nous appartient tous. OK? Le deuxième point de départ, le deuxième point, il faut mettre un accent là-dessus. Le deuxième point de départ, c'est que après avoir reconnaître que la Guinée nous appartient tous, il faut avoir un chef républicain. Un chef qui est issu de la nation. Un chef du peuple qui est issu du peuple. Un chef qui va œuvrer pour le peuple. Un chef qui va montrer à tous les enfants du peuple que toute personne qui tiendra un discours xénophobe, tribal, ethnique sera condamné par la loi. Et ce que je suis en train de vous dire, en disant que toute personne qui tiendra un discours ethnique, un discours tribal, un discours xénophobe sera puni par la loi, cela est inscrit dans la constitution guinéenne maintenant là. Que ça soit la constitution de 1958. La constitution, toutes les constitutions que l'Ansana Conté a mises en place, et la constitution de 2010, même dans la constitution de 2020, cet article réside là-dedans. Mais pour que un article soit article, pour que l'article ait la valeur, pour que l'article soit vraiment respecté, il faudrait que le premier garant de cet article, le premier magistrat, hein, lui soit le premier à respecter cet article. Si vous voyez qu'aujourd'hui, aucun Guinéen ne respecte la loi guinéenne, aucun Guinéen ne respecte les articles de la Constitution, c'est parce que tout simplement, tout ce que les articles de la Constitution ont interdit, le premier magistrat a violé tous ces articles. OK? Nous avons vu lors des élections passées qui a tenu des discours à caractère ethnique, même à l'international. Il lui a été reproché, monsieur Alpha Condé, il lui a été reproché d'avoir tenu des discours à caractère ethnique. Or, cela est condamné même par la loi guinéenne. Et lui, il est le premier garant de cette loi guinéenne. Alors, comment voulez-vous que moi, Kanté, je respecte cet article qui dit que
toute personne ou toute organisation basée sur l'ethnie, toute organisation à caractère ethnique, tribal ou xénophobe doit être condamnée par la loi. Comment voulez-vous comment je respecte cela? Ce respect-là, je ne peux pas comprendre. Parce que c'est lui qui est censé le respecter, c'est lui qui est censé nous montrer la voie, le chemin, la vérité. Lui-même nous a montré le mensonge. Alors comment voulez-vous que nous autres, nous puissions voir la vérité, le bon chemin, nous puissions respecter la loi? On ne peut pas. Ce que je vous dis là, ce n'est pas la voie de Kanté, c'est la voie de la Constitution. Ça, c'est le deuxième premier pas. On est d'accord? Le troisième premier pas en Guinée, il faut que, devant les chances, devant les opportunités, devant les offres d'emploi, qu'il y ait l'égalité des chances, qu'on soit enfant, qu'on soit femme, qu'on soit peul, qu'on soit malinké, qu'on soit guerzé, issu de toutes les ethnies de la Guinée, devant les offres d'emploi, devant les chances que la compétence remporte. Si la compétence remporte, je vous jure sur l'honneur, la Guinée va avancer. Mais si l'ethnie remporte sur la compétence, si la récompense remporte sur la compétence, ça sera la continuité de la médiocrité. D'ailleurs, quelqu'un avait parlé de cela, quelqu'un avait avancé une citation en disant que si les grades et les titres, les honneurs et les distinctions permettent d'avoir des places confortables dans l'organisation sociale, force est de reconnaître que les mérites personnels sont rarement reconnus et que les dignités apparentes importent plus que les valeurs intrinsèques. C'est ce qu'on assiste en Guinée. Il dit, si les grades et les titres, les honneurs et les distinctions permettent d'avoir des places confortables dans l'organisation sociale, l'organisation sociale, l'organisation gouvernementale, l'organisation sociale, la composition du gouvernement. La composition du gouvernement aujourd'hui en Guinée sera faite à base des honneurs, des titres. Ok, c'est pourquoi la personne dit, si les grades et les titres, les honneurs et les distinctions permettent d'avoir des postes ministériels, force est de reconnaître que les mérites personnels, ma compétence personnelle, les mérites personnels, mon intellect, la valeur de mon intellect, la valeur de ton intellect, la valeur de son intellect, ces valeurs-là, ces compétences-là, sont rarement reconnues. Et que les dignités apparentes des ministres d'Alpha Condé, les dignités apparentes importent plus que les valeurs intrinsèques, nos valeurs, nous les valeureux. C'est pourquoi on n'avance pas. Il faut nommer les ministres selon leurs compétences. Leurs compétences, leur utilité sur le peuple. Et non, selon parce qu'ils sont de mon parti politique. Et non, c'est non parce que ils sont issus de mon ethnie. Non, parce que voilà, ils se sont battus pour le troisième mandat. Il faut nommer les gens selon leurs compétences. Et je pense que c'est pourquoi ces gens-là, qui sont dans ce monde de récompense-là, le premier magistrat de la Guinée lui-même, il a avoué, il dit, il y a des gens qui ne croyaient pas à notre troisième mandat. Il y en a qui avaient un pied là-dedans et un pied dehors. On sait qui a fait quoi. En disant cela, à partir du moment où un chef d'État dit on sait qui a fait quoi, c'est pour dire quoi? Ceux qui ont fait quelque chose pour vous aider, ils seront récompensés. Mais ceux qui n'ont rien fait ou ceux qui ont douté de votre confiscation du pouvoir, ceux-là ne seront pas récompensés. C'est pourquoi les ministres qui ne seront pas reconduits, comprenez que ces ministres-là avaient un pied dans la bataille et avaient un pied dehors. Tous les ministres que vous verrez de vos yeux, ok, démis de leur fonction. Tous ces ministres-là, n'allez pas chercher loin. C'est parce que tout simplement, ce groupe de ministres ne croyait pas à la confiscation du pouvoir.
d'Alpha Condé. Et ceux qui seront maintenus, ce seront ces ministres-là qui se sont battus pour la confiscation du pouvoir. Ça veut dire tout simplement que quand il a dit, on sait qui a fait quoi, ceux qui ont fait quelque chose pour lui se retrouveront avec eux, avec lui. Et ceux qui n'ont rien fait pour lui ou ceux qui doutaient seront chassés complètement du gouvernement. C'est la donne. Alors, vous devez comprendre aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de faire l'apologie de CDD. Il ne s'agit pas de valoriser l'ethnie peul. Il ne s'agit pas de donner une certaine valeur à cette ethnie. Moi, je ne donnerai pas de valeur à l'ethnie peul qu'elle n'a pas. Je ne donnerai pas de valeur à l'ethnie malinké qu'elle n'a pas. Je ne donnerai aucune valeur à aucune ethnie de la Guinée qu'elle n'a pas. Et quand on parle des peuls et des malinké, je me dis, en réalité, en dehors de la politique, il y a une vie sociale. Et cette vie sociale, comment ça se passe entre les peuls et les malinké? Ça se passe parfaitement bien. Mais pas à partir du moment où le système politique a pris pied, a pris volume dans cette vie sociale de ces deux communautés, alors c'est fini. Parce que le système politique n'aime pas l'entente entre ces deux. Le système politique se base sur ces deux-là pour bien gouverner ou mal gouverner. Et le système politique qui est là aujourd'hui divise ces deux communautés. Sinon, à part la politique, à part le système politique, il n'y a pas de problème entre peu le malinké. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand les enfants parlent en disant ces gens-là ne seront jamais présidents ici, ce monsieur-là ne sera jamais président ici, quand ils parlent, c'est pas eux, c'est pas leur voix, c'est la voix du système. Le système qui a voulu qu'ils parlent, que eux ils parlent comme ça. Donc, ces gens qui parlent comme ça, c'est des suivistes, il faut pas les écouter, il faut les ignorer. Ok? Ils sont, le système les a mangés, le système les a cuits, les a pilés dans le pilon. Ils sont déjà mélangés. Ils sont devenus des hamburgers. Ok? Au centre, il y a un œuf là-dedans. C'est-à-dire, vous savez, on peut faire des hamburgers comme ça. On pile bien chez nous, par exemple, dans l'Afrique traditionnelle, on pile bien la viande. On met les ingrédients là-dedans. Là, on met un œuf dedans. On met la viande. On l'attache. On cuit. Ça fait de l'hamburger. Donc, ces gens-là qui disent que les peuples ne seront jamais chefs président en République de Guinée, si vous voulez, ne sera jamais. Ils constituent en sorte cette viande, ok, qu'on enrôle autour de l'œuf. L'œuf, c'est le système politique. Eux, ils sont entassés autour de cet œuf qui constitue le système politique et qui continue de les ronger de l'intérieur, qui continue de les constiper, qui continue de sucer leur âme, qui continue de les contaminer. Alors, pour les décontaminer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce travail que je suis en train de faire. Décortiquer devant eux A plus B, qu'en réalité, ils sont dans l'erreur. On n'a pas le droit de dégoûter une ethnie en Guinée. On n'a pas le droit de dire qu'ils ne seront jamais présidents. Ce sont des Guinéens. On n'a pas le droit de dire qu'il ne sera jamais président. Ça devient de la haine. Alors, quand ils disent que les peuls sont haineux, les peuls sont des ethnos, je me dis, mais écoutez, vous, vous êtes plus haineux que les peuls, vous êtes plus haineux que Selou. Parce que Selou, quand il parle, on ne sent pas de haine dans ses discours. Ces gens-là que vous traitez de haineux, quand ils parlent, on ne sent pas de haine. C'est vous qui employez toujours le mot ethno et haine. Et j'en suis sûr, la première personne qui a commencé à employer l'ethno-stratégie, la haine, ça vient de leur camp. Ça vient de leur camp. Bien sûr. Il faut simplement essayer de les attirer avec subtilité. C'est un grand travail de titan. Il faut les attirer, il faut les séduire, il faut les sensibiliser, il faut les faire comprendre. C'est pas avec la violence. Ok, de la manière dont le système les a constipés, et nous aussi, nous devons avoir cette capacité d'enlever ce système qui constitue l'œuf au centre de l'hamburger
Ok? On doit être capable, on doit être le médicament qui viendra neutraliser complètement l'œuf qui représente les systèmes dans leur ventre. Le jour qu'on parviendra de neutraliser complètement l'œuf là, ça sera la victoire du peuple, l'unité du peuple, l'union du peuple, la symbiose du peuple, l'entente du peuple. Alors continuons le travail. Quand je dis il faut combattre le système, c'est ça. Parce qu'après Alpha Condé, ce système-là, c'est lui qui viendra. S'il n'est pas de bonne foi, il va reconduire ce système. Et ça ne nous arrange pas. Donc nous devons combattre le système.